Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon nouvel épisode, l'épisode numéro 14 de mes Let's Play sur Diablo 2 Resurrected. Alors, je n'ai pas de caméra, je n'ai pas la caméra, donc vous ne me voyez pas, tout simplement parce que je refais mes vidéos de chez moi. Et vous savez quoi? J'ai oublié la caméra. Donc il va falloir que je la retrouve et que je remette tout ça proprement pour la fois prochaine. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de jouer et de continuer mon aventure sur Diablo 2. Alors, cette fois-ci, on va essayer d'attaquer la quête numéro 2 de l'acte 2. Alors, je vais regarder un petit peu les quêtes. Journal de quête. Voilà. Le bâton Oradric. Encore ? Ah oui, il faut aller dans 3 endroits différents. Il faut aller chercher un cube dans le couloir des morts. La colline aride, le manche, oh là là, oui. Il y a plein de choses à faire. Bon, eh ben, vous savez quoi? Eh ben, on va y aller. Je sais pas où je dois aller, mais je vais y aller. Alors, pourquoi les murs sont rouges sur la carte? Allez voir ça. Ils n'ont rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Je fais un petit tour histoire de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me propose une quête ou quelque chose comme ça. Mon inventaire, c'est bon, j'ai de la place. Alors, il n'y en a pas un qui me dit d'aller faire quelque chose, non? J'ai pas une quête là qui m'attend? Non? Non? Non, personne? Personne ne veut me... Non, il n'y a pas grand monde. Bon, eh bien, on va essayer de trouver ces trois objets. On fera peut-être pas tout aujourd'hui, mais on va essayer d'en avoir au moins un. Allez, c'est parti. J'entre dans le désert de roche. Alors, il y a un objet où? Alors, le cube est dans le couloir des morts, sous les collines arides. Le manche du bâton est dans le repère du verre, sous l'oasis lointaine, et la partie supérieure dans le temple des vipères. Alors, je sais pas... Oh, qu'est-ce que ces bêtes-là, là? Des farfadés? Tiens, farfadés! Ils vont vite, ces bestioles! Paf! Bim! Bon, il va vite, mais il se protège un petit peu trop, le saligo. Bon, oula, qu'est-ce que c'est ça? Des frondeurs. Paf! Bim, allez hop là! Bon, on va continuer. C'est quoi ça? C'est des scarabées là! Arrêtez ou je vais sortir mon arme fatale? Ah ouais, d'accord! C'est un méchant lui! Bon, au moins je les ai eus. Bon, ah bah ça commence déjà. Hop là, prends ça dans les dents. On va essayer d'éviter les éclairs. Hop là, oh, 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 t'es énervé là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas eu ton 4 heures? Ah bah là, t'auras plus rien du tout, mon gars. Alors, je suis désolé, mais on va tout prendre, hein. Le trident. Freedom, ça sert à rien. Alors, on va aller voir d'abord là-haut. Hein. Enfin, moi je dis là-haut, mais dans ce coin-là, on va faire le tour. Parce que je vais trouver quelque chose. Ouah, un cul-de-sac! Ouh, c'est quoi ça?
Allez. Hop. Tu finis dans le congélo. Par contre, je vais reprendre une petite potion, hein. Vu que j'en ai ramassé une quarantaine. Tiens, et flac. Mais vous allez arrêter avec ces éclairs là. Est-ce que moi je vous balance des trucs? Ah, oh, ils sont vraiment mal polis dans ce jeu là. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça quoi? J'ai oublié un truc. Hop, un petit peu de protection de glace. Je suis le marchand de glace. Qui veut sa... Taf! Tiens, voilà ton cornet, toi. Encore un qui préfère les Esquimaux? Pourquoi tu t'éloignes quand je frappe? C'est pour mieux m'envoyer dans un piège. Bon, bah, on va continuer par là-haut, hein, vu que j'étais par là-haut. Waouh! Calmos à la playa! Voilà. C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit. Oh, des petits scorpions. Paf. Hop là, par contre, je prends l'argent. Hein. Ah, un cadavre. C'est beaucoup plus calme, là, le coin. C'est quoi? Un sabre endommagé. Elle est surchargée, elle est surmenée, la pauvre. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un tri? C'est ça son tri? Alors, on va faire un petit peu de place. Là, je peux le prendre? Ouais, je l'ai pris. Alors, est-ce qu'il est bien? C'est nul, hein. Par rapport à ce que j'ai, c'est nul. Pourquoi il n'y a que des trucs nuls? Ah, on peut pas dire que je sois armé jusqu'aux dents. Hein. Tu crois que je t'ai pas eu, toi? Ça, je m'en fous. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une fontaine d'eau. Paf. Voilà, l'eau, c'est bon. L'eau, c'est la vie. Bon, j'ai vu autre chose encore. On va quand même... On va continuer. Eh, c'est rudement pratique, ce truc-là. On peut le casser? Ouais, un petit coup de pied. C'est quoi ça? Sanctuaire de recharge. Ah ah. Je suis surchargé. Des bottes lourdes. C'est vrai que j'ai pas beaucoup changé mes bottes, moi, depuis le début, là. Ça, je vais le jeter. Je vais voir les bottes. Oh, les belles bottes. Alors, j'ai une meilleure défense. Ouais, ah, je sais pas. On verra bien. Paf. Oh! Ah. Bon, pendant que l'autre se barre, on va continuer à... Oh là là! Le petit farfadé là! D'accord. Plus l'ennemi est proche, plus l'éclair est dans... et fait du mal.
Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu uses autant ton mana? Bon, voilà. Des fois, c'est mieux, on s'approche et on tape. J'ai des clés, j'en ai 3 milliards de clés, mais... Hop là. Non mais y a pas à dire, l'éclair c'est génial, c'est ce qui est de mieux là. Bon, on fait le tour. Ça va me mener où ça? Les collines arides, j'ai pas quelque chose à faire dans les collines arides? Si, il y a le manche, c'est là-bas. Bon, ok. Alors on va continuer à fouiller là-haut. Maintenant je sais que je peux trouver un objet en bas. C'est quoi ça? Oh, je me sens prêt au combat. Tiens, pourquoi ça? C'est... Boum. Lui, il s'est pas senti au combat là. Qu'est-ce que c'est? Des ruines. Je ne peux plus rien porter. Un fauchon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bah. Non, il y a un coffre. Ouvre-toi, coffre. Oh, un anneau. Je ne peux plus rien porter. Ce qui est dommage, c'est que les potions ne se mettent pas directement dans la zone. Voilà. Bon, là, il n'y avait rien de spécial. Viens ici, toi. Ah, moi, je suis comme ça, hein. Bon, bah, on va continuer à fouiller. On va essayer de trouver le reste. Hé hey. Petit saligo. Vous allez voir, moi, si vous allez y résister longtemps. C'est quoi, ça? Oh, petit squelette. Ouh, il y a de l'or. Ouh, de l'or. C'est beau, de l'or. Voilà. On continue dans la joie et la bonne humeur. J'ai pas besoin de prendre... Tiens, toi. Paf. Bon, en même temps, je fouille. Alors, pour moi, il n'y aura pas de téléporteur. Ça sert à rien puisque le village est juste à côté. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vers le tombeau de pierre. Ah là là. N'aurais-je pas quelque chose là-dedans? Le cube est dans le couloir des morts, hein? Le manche, hein? C'est tentant. On va continuer à fouiller un peu la zone. Eh, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la tribu là. Ah, il y a un balèze là. Tiens! Il est costaud, lui! Ah, il y a de la vie là.
Ah, il est costaud ce gars! Hey! Crève, vrai! Voilà, bah tu vois quand tu veux! Une épée à deux mains. À deux mains? Non, c'est pour aujourd'hui ou c'est l'épée à deux mains? Oui, je sais, c'est encore des blagues niveau. École maternelle. Ouais. Il est costaud lui encore. Ah, ah bah ouais d'accord, il y avait plein de postes, plein d'argent. Je t'ai pas oublié, t'inquiète. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir tout de suite si ça vaut le coup ou pas. Faut le prendre à chaque fois. Hop là, chasseresse, va-t'en, va chasser. Je suis surchargé. Il y a peut-être un trophée à celui qui arrivera à tuer le plus de scorpions. Il s'en va! Ah, c'est terrifiant hein. Elle peut plus rien porter, mais alors par contre elle a plus elle a plus lourd en or qu'en objet. Mais là oh, c'est quoi? Une tatue. Bonjour tatue. Je ne peux plus rien porter. Allez, on pète tout! C'est la fête! Waouh! Un piège! C'est quoi ça? Ça fait peur! Bon, bah voilà, on a fait le tour de ce coin-là. On va voir ce qu'il y a en bas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur, toi? Mais tu as raison d'avoir peur. Boum! Capoute! Ah, il y a eu un accident de chasse. Oh, un petit cadavre. Enfin, un accident de chasse. Un accident de la route. Bison futé, il a pas pu venir celui-là. Ah, t'auras du boudin. Ah. Je ne peux plus rien porter. Je peux plus rien porter. Bah tu portes rien et puis tu te tais. Bon là il n'y a plus rien. Paf. Je gagne quand même un petit peu de temps avec l'éclair. Elle est pas en chocolat celle-là, mais je peux vous dire que je suis bien content de l'avoir. Oh petit dinosaure. C'est Jurassic Park. On va peut-être trouver un moustique. Hop, un petit cadavre. Salut mon gars. Ah non, ouais. Boing. Drôle de bruit. Boing.
Par contre, j'ai pas vu là au bout, il n'y a pas de passage. Non. Eh ben, on va avoir fait le tour. Il y a quelque chose. L'oasis. Oasis, oasis, c'est bon, c'est bon. Allez hop là, ping bam boum. Ah, il y a quelque chose là, c'est quoi hein? Sanctuaire de santé. Ah, ça va mieux. Marrant ça, l'oasis. Il y a quelque chose? Faut y aller? Non. On peut pas faire un tour dans l'oasis. Bon, et bah, on a trouvé des endroits à visiter. Je ne peux plus rien porter. On va essayer. Bon, hey. On va essayer un truc. Tiens, je vais aller voir là. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de coffres là. C'est bien. Un petit cadavre. Hop, t'auras plus besoin de ton argent, mon gars. Je ne peux plus rien porter. Je ne peux plus rien porter. Et il y avait tout ça dans le pot. Eh ben. Moi, je vous propose, pour finir cet épisode, on va aller faire un tour dans le tombeau de Pierre. Waouh, c'est quoi ça? Ah, c'est lui là! Ah bah dis donc, le tombeau de Pierre m'a déjà bien fait mal. Waouh, mais combien ils sont? J'ai plus de mana. Eh ben on va faire la technique du je tourne, je contourne, je tourne et je contourne. Et dès que j'ai un peu de mana. Hop, un au moins. Hop, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Et il est venu avec sa lampe torche lui. Hop là, bah il a plus de lampe torche. Tu regardes le paysage, mon gars? Il est beau, hein? C'est bien éclairé. Ah! Ah, bah dis donc, j'ai déjà trouvé le niveau 2. C'est-il pas magique, ça? On va quand même fouiller, hein, parce que je m'approche tout doucement du point d'expérience. Voilà, hein, on va pas perdre trop de mana non plus. On va pas faire trop le malin. Hop, on casse tout, tiens. Alors, par contre, je vais faire un truc. Un truc incroyable. Voilà. Voilà. Et je vais prendre le portail. Wouh! Mais comment ça se fait qu'ils font des éclairs? Ça traverse les murs? Voilà, prends ça dans les dents. Armure en cuir clouté. Mais voilà, j'ai des trucs qui sont bien. Enfin. Il m'a fait mal, hein? Un piège. Ouh, il y a des rats. Ouh là là. Pas très propre dans le coin, hein. Il y a les rats. Bon, ok. En fait, mon personnage, ce n'est pas trop son armure, sa puissance et tout ça qui compte. C'est sa magie. Ah, il résiste.
Hop, un petit coup de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ils vont pas faire de vieux os. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt moi. Une tête de zombie. Ça fait quoi, une tête de zombie? Moi, je veux la tête de zombie. Waouh, que c'est beau, une tête de zombie. Nécromancien uniquement. Ah, super. Super, c'est pas pour moi. Antidote. Waouh, il y a le feu là. Wouh. Vous avez vu ça, l'esquive? Ça, c'est de l'esquive. Bon, bah, il n'y avait rien de bien. Plein de trucs qui me servent à rien. Alors, on va essayer le niveau 2. Alors. Allez. On va tenter le niveau 2. Elle court. La magicienne. Wow, salut les gars. À mon avis, celui qui était en vert, il allait m'envoyer une bonne petite saloperie. Alors. Déjà s'occuper des gars là qui font des saloperies. Ah. Ça y est. J'ai mon point de compétence. Eh ben, on va faire le petit point de compétence. D'abord le personnage. Alors, comme toujours, 2 pour lui et 1 pour les autres. Tant que c'est bleu, c'est que c'est bon. Compétence, j'ai 1 point de compétence. Alors, c'est vrai que... Alors, crée une comète glacée qui gèle ou tue les ennemis proches. Haha, simplement j'ai envie d'augmenter mon arc électrique là. C'est lui? Voilà. Je préfère déjà augmenter celui-là puisque je l'adore. Oui, je l'adore. Ouh, ça va pas vite. Hop là. Potion de dégel. Ah ouais, ça c'est bien le matin quand la voiture est gelée. Un petit coup de ça. C'est quand même bien pratique. Oh là là, mais ça y est. Oh, il nous fait des petits feux d'artifice. Attends, Rictus, tu vas voir. Boum, tu rigoles plus là, Rictus, hein. Potion de vie. Ouais, mais je suis trop surchargé. Alors. Bim. Alors, eux, ils m'envoient à chaque fois des saloperies d'éclairs. Voilà. J'étais bien protégé. Il y a de l'or. Par contre, il y a un méga trésor là. Je n'ai pas assez de mana. Alors, dans ces cas-là, on fait ça. Aïe! Je ne peux plus rien porter. Mais si, tu peux, regarde. Regarde. Déjà, tu bois ça. Voilà. Hop! Oups, qu'est-ce qu'il fait là, lui?
C'est bien puissant quand même, hein. Ça coûte moins en points de mana. Par contre, il y a un sacré coffre là. Protégé par des chauves-souris. Oh, piège! Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ouh, il y a de l'or déjà. Alors, cotte de maille. Bottes lourdes. Eh ben, on va essayer de prendre les bottes. Alors, on va faire ça. Je vais mettre ici les objets qui ne m'intéressent pas trop. Voilà. Alors, bottes lourdes. Ok. Bien sûr, il faut toujours vérifier ça. Je ne peux plus rien porter. Et la cotte de maille. Je ne peux plus rien porter. Bon, bah on verra bien. Je vais plutôt prendre la tête de zombie. Ça donne plus de points peut-être ou d'argent. Alors, on va aller voir, on va voir la suite. Donc, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où ces bruits là? Hop, on a eu l'autre là. Tchouk. Alors, encore un verre. Les verres, ils font pas long feu. On va reprendre un petit peu de protection de glace. Voilà. C'est peut-être ça que je ferai la prochaine fois. Je ne peux plus rien porter. Waouh, il nous envoie des feux d'artifice. Mais moi, j'ai un feu d'artifice plus puissant. Alors, on va faire un truc là. Faire un peu de place. Hop, une petite potion de mana. Une urne. Aïe, j'ai été empoisonné. Voilà, voilà. J'ai regardé mon téléphone à ce moment-là. Par contre, j'ai pas de protection contre le poison, hein, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah, c'est quoi, des zombies? Enfin, c'est plutôt des momies. Eh, hey, ah, il y a le chef des momies. Ah là là. Le chef des momies. Il peut aller dans les flammes. Ça leur fait rien, bien sûr, hein. Ça. Ah, ça va être chaud là. Ah mais je le touche pas lui. La vache, j'avais pas vu, mais j'avais plus de vie. Alors là, ça c'est... Ah, il y a des bruits là. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. J'ai failli y passer.
Ah, il m'a empoisonné lui aussi. Vite, 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 vite. Ouah. Heureusement, j'avais de l'antidote. Allez hop, on pète tout, comme dans Zelda. Ah, vache. Ah non, non, c'est bon, j'en ai déjà eu un. Waouh. Encore un décom... Un décomposé. Aïe, il m'a foutu une baffe. Allez hop, là. Y'a rien? Je me suis cassé le trognon, pourquoi? Pour rien? Ouah, y'a du monde! Ah, faut les avoir en ligne droite. Je ne peux plus rien porter. Qu'est-ce que c'était beau quand même. Vous avez vu ça, comment je les ai eus un par un. Oh là là, et je continue. Moi, c'est la cuisson électrique. C'est pas au gaz, c'est électrique. C'est tout? C'est tout, c'est tout, c'est tout? Bon, bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour du truc, ça a servi à pas grand chose. On va voir ce que c'est, ça. Ouais. Ouais. Bah, pas grand chose. Eh bah voilà, eh bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait le tour du désert. On en a pris plein, on a pris plein de déserts. Hop, on va sortir de là, je vais retourner un petit tour, je vais faire un tour au village. Bon alors, j'ai trouvé à quel endroit je devais aller pour avoir au moins un objet. C'est en bas. On va regarder un petit peu vite fait. Et puis je vais quand même m'arrêter là. Pour cet épisode, toujours aussi mouvementé, toujours aussi incroyable. Donc vous voyez... La prochaine étape, c'est en bas. Pour aller chercher, je crois que c'est le bâton. Je sais plus. Ah! Le cube est dans le couloir des morts sous les collines arides. Je vais quand même vérifier si c'est les collines arides. Voilà, c'est bien ça, c'est les collines arides. Eh ben, c'est le tout premier, ça sera le cube. On fera ça la prochaine fois. Allez, je rentre au bercail. On va boire ce qu'il y a, hein, pour attraper une maladie qui traîne. On retourne au village, parce que c'est la fête au village, les enfants, les parents... ont décidé de plus être sage. Bienvenue à Ludgolain, jeune enfant. On s'en fout. Ah, il vend lui, c'est bien. Je vais aller voir d'abord Descartes Kane. Descartes. Restez un instant. Écoutez-moi. On s'en fout. Donc ça, je peux pas. Et puis ça, ah, c'est une meilleure défense. Ah. Ah, j'ai une meilleure défense. J'ai la résistance au feu qui est pareil. Simplement, ça répare un point de durabilité en 33 secondes. Ouais, c'est pas... Je serais mieux avec ça. Voilà, des belles godillottes. Allez, on va vendre. Ça. 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 Voilà, au revoir madame. J'ai pas vu ce que c'était ça. Vitesse de sort très rapide. Oh, vitesse de sort très rapide.
Eh ben, ça sera sans moi. On va le vendre. Allez, hop. Tenez, dame. Quoi? Non, moi, je veux vendre. J'ai pas vu ce que c'était, ça. 15% de... Ah, donc 15% de chance supplémentaire d'obtenir des objets magiques. Des objets magiques, ça pourrait être bien, les objets magiques. Ouais, bah 15%. Hop, ça m'a fait de l'argent. Je vais aller à mon coffre, et puis je vais mettre les sous de côté, et puis je m'arrêterai là. On va... Voilà! Je suis un fou. Et bien voilà, bon, on n'a pas avancé énormément dans la quête numéro 2, de l'acte 2. Par contre, j'ai réussi à trouver le chemin pour accéder au premier objet pour le marteau ou l'épée, je sais pas quoi, Aura Dream. Et donc, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que mon live vous a quand même plu. On va dire que c'est un épisode, de transition. Parce qu'il m'a permis de trouver le passage pour la suite. Donc, ça sera la fois prochaine. On va essayer de faire un petit peu plus mouvementé. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, il y a le pouce bleu. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai. Vous avez découvert ma chaîne et puis vous voulez suivre mes aventures sur Diablo. Et puis sur d'autres, comme Call of Duty ou Age of Empires. Eh bien, pour ça, rien de plus simple, il ne vous reste qu'à vous abonner. Que dire de plus, vous pouvez partager ma petite vidéo. Et si vous voulez être au courant du prochain épisode, il y a la notification. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. À bientôt pour la suite de mes aventures sur Diablo. Salut, salut tout le monde et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.